Salut la tante Yvonne. Salut la Martine. Bon alors Martine, faut que tu saches que je fais des cours aussi pour le club où je travaille, c'est Nos Limites. Et bonjour Francine. Du coup, je poste quelques infos pour les cours que je fais avec eux. J'en ai beaucoup moins, mais je fais quelques cours, voilà. Donc si c'est pas le groupe de gym ou moi perso qui écrit. Hein, si c'est Nos Limites Fitness, c'est pour leur club de gym et c'est pas pour nous. Enfin, après, ça t'empêche pas de suivre les cours, hein, mais c'est autre chose. Bon, ce matin, c'est cool, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vraie séance de pilates via, bien sûr, Facebook. Vous avez votre tapis, on va se servir juste du tapis tranquillement ce matin. J'espère que Francine va bien, qu'elle n'a pas été malade pendant un petit moment, on ne s'est pas trop vu. Je sais qu'il y en a qui ont eu le Covid, hein, qui, notamment Valérie de notre groupe de gym direct, n'est pas trop en forme. Donc voilà, Sylvie. Salut Sylvie. Tout doux, réveille tout en douceur ce matin. Enfin, je suis déjà debout depuis un moment. J'espère que vous allez bien. On commence debout l'échauffement et puis après on s'installe sur le tapis. On n'oublie pas si on a besoin oreiller, appuie-tête, quelque chose pour placer votre tête et vos cervicales. On le prépare aussi. Allez, on démarre. Bon, je suis tranquille ce matin. Ouais. J'ai laissé les chiens en bas, sinon je vais me faire lécher de tous les côtés. J'aurais plus de place sur mon tapis. Il y a déjà Mimi. Allez, installez-vous, mettez vos pieds largeur de votre bassin. Regardez devant vous, redressez bien votre buste, abaissez vos épaules. Pensez à, en pilates, on inspire bien par le nez, on expire par la bouche. Encore, on inspire bien par le nez. Et on expire par la bouche. Les épaules sont basses. Le menton est dégagé, la poitrine. Le buste est redressé. À l'inspiration, la cage thoracique se gonfle. À l'expiration, elle se dégonfle. Encore inspirez. Expirez. Allez, on commence doucement les mouvements de vos poignets. Continuez à inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Encore, j'inspire. Puis j'expire. Au moins
augmentez l'amplitude de vos mouvements, travaillez des bras et des avant-bras, j'inspire, puis j'expire. N'hésitez pas à fermer les yeux, travail de votre équilibre, placement de votre corps, la proprioception. Les pieds sont bien posés à plat sur le sol. Dernier mouvement dans ce sens, on revient doucement. Les bras le long de votre corps et on reprend. Les poignets dans l'autre sens. On inspire puis on expire. Juste les poignets. Enroulez les bras, les avant-bras, augmentez l'amplitude de vos mouvements. Gardez l'inspiration puis l'expiration. Les épaules sont toujours basses, le buste est redressé. Dernier mouvement et je reviens doucement. Laissez dérouler les chevilles, abaissez vos épaules. Poussez votre genou, laissez dérouler sur l'extérieur. Tranquillement sur l'extérieur, on ouvre le genou, la hanche et on laisse reposer doucement le pied au sol, encore une fois de chaque côté. Enroulez vos deux épaules, inspirez de l'avant vers l'arrière, expirez, inspirez. Expirez. On repart doucement. Dans l'autre sens, on resserre ses deux omoplates à l'inspiration et on passe doucement vers l'avant à l'expiration, inspire, expire. Relâchez, ouvrez vos jambes, fléchissez doucement le genou gauche, étirez, pensez à ouvrir vos deux épaules, maintenez la position, l'équilibre, j'inspire, je reviens, puis j'expire et je fléchis doucement du côté droit, prenez votre temps. Évitez les déséquilibres, le corps en ouverture, jambes allongées. Inspirez encore une fois, changez. Inspirez. Expirez. Revenez doucement au milieu et resserrez vos jambes. Pieds largeur de votre bassin, on enchaîne les petits mouvements d'avant en arrière. Le petit bol d'eau qui se vide, on pense à petite table, les deux crêtes iliaques. Le bol d'eau se vide vers le sol, le bol d'eau se vide vers le buste. Et ça, c'est avec votre bassin.
La rétroversion, j'efface ma courbure lombaire. Puis l'antéversion, je l'accentue doucement. Je mets les bras le long du corps. Hop. Vers l'avant, le bassin, puis vers l'arrière. Les jambes légèrement fléchies, le buste redressé. Avec votre respiration, vous inspirez. Vous creusez doucement. Laissez ressortir les fessiers. Puis vous expirez. Inspirez. Puis vous expirez. Votre buste est redressé. Vos épaules sont bien basses. Pensez à la contraction du fessier et de la ceinture abdominale. Je relâche, je creuse, puis j'expire. Une dernière fois et en plein, placez le bassin. Position neutre, le bol d'eau ne se vide plus. Légère courbure lombaire, on n'accentue pas du tout. Je place ma main sur mon bas-ventre à gauche, ma main sur mes côtes à droite. Et là, je viens contracter en premier mon périnée. En pense, je retiens l'envie d'aller au sel, l'envie de faire pipi pour le périnée. Le transverse, c'est le muscle le plus profond de votre ceinture abdominale. On le fait tout doucement. Remontez en tirant le nombril vers le haut et vers l'arrière. Hop. Et on inspire, la cage thoracique gonfle. Puis se dégonfle. On inspire, la cage thoracique gonfle, les côtes s'ouvrent. Puis on expire, la main sur le bas-ventre ne bouge pas. Le ventre est creusé, le périnée est serré, j'inspire. Puis j'expire. Pour tous les exercices en pilates qu'on va pouvoir faire juste après, on prendra bien la contraction. Périnée transverse et on essaie de respirer avec la cage thoracique qui gonfle et qui se dégonfle. Dernière fois. Et je relâche. On descend doucement sur le sol, on prend son temps. Je descends le téléphone d'un petit cran. Allez, installez-vous sur votre tapis, prenez votre temps. Allez, vous installez tranquillement. Hop. On voit bien. Hop. Allez, on installe la tête. Tranquillement, si on a un petit oreiller, le petit appui-tête, on s'installe. On place bien le dos. Tête sur le petit appui-tête, sur le petit coussin. On rapproche les talons des fessiers, les bras le long du corps. Ah, Mirabelle est sortie. Je plaque mes lombaires sur mon tapis, tranquillement. On continue les petits mouvements. Bol d'eau sur le bas-ventre, on vide le bol d'eau sur la poitrine, on expire. Puis on vide le bol d'eau par terre entre ses pieds, on inspire. On creuse légèrement, elle n'est pas décidée ce matin. Là, plaque les lombaires sur le sol, on vide le bol d'eau sur la poitrine. Puis on revient. On inspire, les épaules sont basses, on creuse tout doucement, j'arrive à glisser ma main, puis j'expire, Madame la Princesse passe devant l'écran, encore une fois, inspirez, puis expirez et gardez les lombaires plaqués,
On reprend cette contraction, le périnée en premier, l'arrière en avant, on contracte. Puis le transverse du bas vers le haut, tirez votre nombril vers le haut et vers l'arrière. Inspirez bien par le nez, à l'expiration vous allez monter votre jambe droite. Placez en chaise renversée, le genou au-dessus de votre hanche, le mollet sur l'horizontale, 90 degrés. Et là je maintiens. J'inspire par le nez, la cage thoracique gonfle, puis j'expire par la bouche, elle se dégonfle encore, inspirez, expirez. Gardez votre dos plaqué sur votre tapis. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Maintenez cette contraction, ça tremble un petit peu, c'est normal. Faites-le encore deux fois, l'inspiration. L'expiration. Inspire, puis redescend sur l'expiration. On prend son temps. On va faire la même chose du côté gauche. Respirez une ou deux fois de façon normale. Puis de nouveau vous contractez. Périnée, transverse. Puis laissez monter votre jambe gauche en chaise renversée. Le genou se place au-dessus de votre hanche. Le mollet bien sur l'horizontale. Puis j'inspire. La cage thoracique gonfle, j'expire, elle se dégonfle. Continuez tranquillement, maintenez la position, bien le genou au-dessus de votre hanche, le mollet bien sur l'horizontale. On inspire et à l'expiration, on redescend doucement. Essayez de maintenir la contraction périnée transverse, le dos plaqué sur le sol, enchaînez juste les mouvements de bras. J'inspire, les bras montent et à l'expiration, ils enroulent. On vient jusqu'aux cuisses, jusqu'aux fessiers. Encore. Allez, inspirez, périnée serré, ventre creusé. Puis expirez, enroulez, soufflez. Revenez jusqu'aux cuisses, jusqu'aux fesses. Inspire. Expire. Enroule doucement, expire. Fais une dernière fois, inspirez bien. On revient tout doucement les bras le long du corps. Et on relâche. On glisse la petite tomate cerise dans le creux du dos. Rapprochez bien les talons des fessiers, les genoux dans l'axe de vos hanches. Prenez la contraction périnée transverse, inspirez, puis à l'expiration. La petite bascule de votre bassin, vous écrasez votre tomate cerise, hop, vide le bol d'eau sur la poitrine et décolle doucement. Souffle, monte ton bassin à l'expiration. Inspirez. Puis expirez, redescendez doucement, soufflez,
Tirez bien les fessiers en direction des talons et replacez vos vertèbres les unes après les autres sur votre tapis. Tout en expirant, laissez dérouler toute votre colonne sur votre tapis. Soufflez. Replacez votre bassin. Inspirez. N'oubliez pas, périnée transverse bien contractée, inspirez, puis expirez la bascule de votre bassin, le bol d'eau qui se vide sur la poitrine, lombaire, puis on décolle une à une les vertèbres. Je souffle, j'expire. Vertèbre dorsale. Maintenez la position, inspirez. Puis à l'expiration, vous redescendez, vous tirez les fessiers vers les talons et là, vous laissez dérouler toute votre colonne sur votre tapis en expirant. Première dorsale là-haut, tout en haut, le milieu de votre dos. Vous terminez par les lombaires. Puis votre bassin, vous inspirez. Encore, n'oubliez pas, périnée serrée, ventre creusé, on repart dans l'autre sens, soufflez. Quand vous arriverez en position haute, on va travailler bassin maintenu en position haute. Et largeur de votre bassin, genou, largeur bassin. Quand j'arrive en position haute, je bloque. À l'inspiration, je laisse monter genou droit au-dessus de la hanche. Puis à l'expiration, je redescends. La même chose du côté gauche. À l'inspiration, laisse monter. Maintiens ce bassin. À l'expiration, tu redescends. Inspire, puis expire. Laisse descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre sur ton tapis. Déroule toute la colonne. Faites-le encore une fois, une dernière fois. Inspirez. Puis expirez, périnée serrée, ventre bien creusé, la petite bascule. Je vide le bol d'eau sur la poitrine, puis je décolle les jambes. Expire pendant toute la montée. Tu maintiendras, bassin. À l'inspiration, tu laisses monter genou droit au-dessus de ta hanche. Puis à l'expiration, tu redescends doucement. La même chose du côté gauche. Inspirez. Laissez pas descendre votre fessier. Puis expirez. Inspirez. Périnée serrée, ventre creusé. Puis vous déroulez toute votre colonne sur votre tapis. On fait une petite pause. On laisse aller les genoux sur les côtés doucement à droite et à gauche. Inspirez puis expirez tranquillement, tout doucement. Laissez descendre les genoux à droite, puis à gauche. Tout en respirant doucement, on prend son temps. Allez, encore deux fois. Je ne vais pas réussir à filmer ce matin. Allez, on passe tout doucement sur le côté. Vous allongez sur le côté, on fait la poutre. Allez, on s'allonge tranquillement sur le côté. On a des soucis techniques. On s'allonge, on installe le bras, l'avant-bras. Allez, on fait la poutre sur le côté. Thank you.
belle est en train de râler. Hop. Allez installer votre bras, votre avant-bras ou votre petit oreiller, c'est vous qui voyez. Corps bien allongé. On serre les chevilles, on serre les deux genoux, on place bien son bassin. La main, l'épaule basse, sinon main devant près de la poitrine. Dégagez bien votre menton. Allez, tout doucement, prends cette contraction de notre périnée, notre transverse. Derrière en avant le périnée. Le transverse est du bas vers le haut. Et on respire par sa cage thoracique. On inspire. Puis on expire. Encore inspirer. À l'expiration, laissez monter tout doucement la jambe de ciel, largeur de votre bassin. Jambes tendues. On contracte les fessiers et les cuisses. On maintient, inspirer. Puis expirer. Encore. Gardez l'équilibre, l'épaule est basse. N'oubliez pas, posez votre main devant à plat. Inspirez. Fermez les yeux. Inspirez sur l'expiration, je redescends et on va enchaîner petits mouvements. Gardez bien la contraction. Allez, on laisse remonter. Décidément, ce matin, j'ai du mal. Téléphone. Il n'y a pas une caméra qui veut marcher. Tablette, c'est pareil. Allez, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on revient. On expire, on remonte, on garde l'équilibre, on maintient le corps. Jambes tendues, épaules basses, périnée serrée, ventre bien creusé. Les cuisses et les fessiers sont bien contractés. Dernière fois, expire, puis reviens, inspire. On fait une petite pause, respirez doucement. Dernier petit exercice, on dessine les petits cercles. La jambe est amenée dans le prolongement de la hanche. Petit mouvement, 5. On compte jusqu'à 5 et on dessine un cercle. Allez, contractez tout, jambes tendues. Laissez monter à l'expiration doucement. Et là, 5 cercles dans un sens. Tu inspires, puis tu expires. Commencez 1, 2, 3, 4, 5. On fait un tour encore. Si on a besoin, main devant près de votre poitrine. Paume de main bien à plat. Pensez à regarder devant vous. Fermez les yeux, mais le regard est sur l'horizontale. Le menton est dégagé de votre poitrine. 5 mouvements dans l'autre sens. Jambes bien tendues, fessiers et cuisses bien contractées. Vous inspirez, puis vous expirez. Périnée serrée, ventre creusé. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. Travail du petit et du moyen fessier. Là, ça tiraille. Hein. Inspire à l'expiration. Tu redescends doucement. Relâchez, changez de côté. Prenez votre temps. Soufflez. On change doucement. Installez votre tête. Tendez bien vos deux jambes. Bras sur le sol, paume bien à plat. J'installe ma tête sur mon bras, sur mon avant-bras.
Le corps est aligné. Les hanches, les genoux, les chevilles sont bien collées, les épaules sont basses. Reprenez votre contraction. Le périnée, le transverse. Je regarde devant moi. Inspire. Hop, et à l'expiration, laisse monter tout doucement. Largeur de ton bassin et tu maintiens là. S'il faut, mets la main devant près de la poitrine. Et là, on ferme les yeux, on inspire, puis on expire. Jambes tendues, les fessiers sont serrés, les cuisses sont contractées. Inspire, à l'expiration, tu redescends et on enchaîne petit battement. Reprenez bien cette contraction, creusez votre ventre. Expire, décolle doucement, largeur de ton bassin. Puis reviens, inspire, redescends. Expire, laisse monter, garde l'équilibre, épaules basses. Puis reviens, inspire. Va partir le fessier sur l'arrière. Les hanches en direction du plafond. Prends ton temps sur les mouvements. Regardez devant vous. Inspirez puis expirez. Le périnée serré, le ventre est creusé. Dernière fois, je fais ma petite pause et on enchaînera le dernier mouvement. Les petits cercles qui viennent de votre hanche. Replacez-vous bien. On laisse monter largeur de son bassin. Et là, petit cercle, 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Jambes bien tendues. Le mouvement vient de votre hanche, petite amplitude. Tu inspires, puis tu expires. Dans l'autre sens, tout doucement, on repart. Inspirez. Puis expirez. Encore une fois. Tu inspires, à l'expiration, tu laisses redescendre doucement. Relâchez. Allez, on se place en position assise tout doucement. Fléchissez vos jambes. Redressez votre buste. On est plutôt d'un côté ou de l'autre de son tapis. Pour aller chercher l'enroulé de la colonne. Alors, on aura deux options. La plus simple, ça sera rester dos rond, forme de C. La plus dure, celle qui travaille le plus, mais sans se blesser, bien sûr, c'est pas la peine de la descendre jusqu'au sol et de pas arriver à remonter. Je sais qu'il y en a qui peuvent remonter, donc c'est pour ça que je donne l'option. Une fois qu'on aura le dos bien placé, forme de C, on pourra descendre. Placer les vertèbres les unes après les autres sur son tapis en commençant par le bas lombaire puis dorsal et en terminant par le haut et placer la tête. Néanmoins, faut pas tomber d'un seul bloc. On va commencer en simple et après quand on maîtrisera bien le mouvement pour essayer de descendre. Allongez un peu les jambes, ça va tirer dans les cuisses, dans l'aile, dans le dos, on est redressé. Si on veut s'asseoir un petit peu en hauteur, on peut, mais là, il ne faut pas descendre jusqu'au sol. Bras tendus devant, épaules basses. Contraction du périnée et du transverse. Tu inspires et à l'expiration. Enroulé de colonne, c'est très bon pour ceux qui ont mal au dos, des soucis au niveau
du dos, des vertèbres. Souffle, expire, dos rond. Plus ou moins bas, c'est vous qui descendez à votre niveau. Inspirez et remontez, touchez vos pieds. Expirez, dos rond. Plongez en avant en soufflant. Puis vous déroulez du bas vers le haut votre colonne. Redressez. Belle contraction du périnée et du transverse. Puis enroulez. Bascule de votre bassin là. Commencez par vos lombaires, puis vos dorsales. Et vous descendez doucement. Vous maintenez à l'inspiration, puis vous remontez à l'expiration. Je pense au périnée, on retient envie d'aller au sel, envie de faire pipi. Le transverse, on creuse son ventre, on fait remonter son nombril. Encore une fois, la redresser. Puis basculer, enrouler, lombaire. Dorsale, puis je descends. Prochain mouvement, sans obligation, on peut descendre tout doucement jusqu'au sol. Inspire, puis remonte, expire. Déroulez votre colonne du bas vers le haut, redressez bien votre buste. Inspirez. Puis expirez, épaules basses, les omoplates sont resserrées, la bascule, là je descends, on n'est pas obligé. Hein. Quand on descend, on retient, ça travaille vraiment bien sur la ceinture abdominale, la mobilité de la colonne. On retient, lombaire en premier, puis dorsale et je termine en m'allongeant. Sans lancer mes bras, juste par la contraction de la ceinture abdominale, inspire. Puis remontez en roule, expire, ne lance rien, allonge juste un peu tes jambes. Repars dans l'autre sens et souffle. On essaie une fois si ça va, on continue, sinon dos rond, forme de C. Déroule, on a encore deux fois. Grandis-toi, regarde devant toi, baisse tes épaules, prends la contraction et bascule, souffle. Expire, laisse tout doucement dérouler. Maintiens-la s'il faut, sinon continue tout doucement. Retiens cette descente, travail de la ceinture abdominale. Inspire, périnée serré, ventre creusé, ne lance surtout pas les bras. Expire, remonte tout doucement, enroule. On le fera une dernière fois jusqu'au pied. On roule, hop, les deux petits os sous les fessiers, les ischions. Laisse dérouler toute la colonne, dernière fois, grandis-toi. Et bascule ton bassin, souffle. Arrête-toi s'il faut, sinon continue et descends doucement. Prends l'inspiration. Et à l'expiration, remonte. Ne lance rien. Contrôle ton mouvement. Et souffle. Déroulez. Et relâchez. Allongez vos deux jambes. Faites un petit étirement. Inspirez. Puis à l'expiration, allez chercher loin devant, souffler. Laissez remonter tout doucement, dérouler votre colonne. On le fait encore une fois. Inspire. Puis expire. Déroulez bien vos épaules. Croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe. Non, votre jambe gauche. C'est pas grave, on fait les deux. Revenez, puis changez. Relâchez.
passe doucement debout, on prend son temps, on laisse dérouler toute sa colonne, on se place tout doucement sur le tapis. Allez, on est debout, on est sur le tapis. On remet ses pieds largeur de son bassin. On regarde devant soi. On pense à bien inspirer par le nez, à souffler par la bouche et là, laissez enrouler vos deux épaules de l'avant vers l'arrière. Encore, j'inspire, puis j'expire. Dans l'autre sens, allez, tirez doucement vers l'arrière, resserrez vos omoplates, laissez monter les épaules, puis relâchez encore. Dernière fois, j'inspire. Bras le long du corps, épaules bien basses, je laisse dérouler mes chevilles. J'inspire, puis j'expire, je monte sur la pointe, puis je déroule sur l'extérieur. Prends son temps, ses épaules sont basses. Dégage le menton de la poitrine, on inspire, puis on expire. Pied largeur de votre bassin. Redressez bien votre buste. Déplacez vos mains sur vos genoux. Tout doucement les fessiers glissent vers l'arrière et là on laisse tout doucement rouler dans un sens. Inspire puis expire, le regard bien vers le sol. Puis dans l'autre sens, ne tirez pas votre tête en arrière, inspirez. Puis expirez. Encore une fois. Vous déroulez toute votre colonne, vous soufflez, vous remontez. L'épaule. Hop là. On ouvre ses jambes, on laisse glisser tout doucement. Genou gauche, pointe au plafond. Et les mains. Inspirez, puis expirez, changez de côté, posez votre pied bien à plat à droite, pointe de pied vers le haut à gauche. Inspirez, puis passez au milieu, descendez doucement et déroulez, soufflez. Épaules. Je resserre doucement les jambes, je mets mon dos bien rond, menton près de ma poitrine, j'enfléchis, j'enroule toute ma colonne, je souffle. Je redresse doucement, main dans mon dos, placez votre bassin, tirez vos épaules sur l'arrière. Déroulez. Inclinez votre buste, laissez monter. Inspirez, expirez, changez de côté. Ouvrez l'épaule. Inspirez. Laissez monter vos deux bras. Étirez complètement. Vous relâchez, vous soufflez. Encore une fois, inspirez. Étirez, montez jusqu'au point de pied. Relâchez, puis expirez.
Et ben voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve ce soir, c'est 18h30. Circuit training pour ce soir, sinon demain matin, demain soir. Enfin, vous avez le petit planning qui est affiché déjà dans le groupe de gym. Sinon, je remets l'info ce soir. Allez, belle journée!